Bonjour, Marie-Christine Bélanger pour Monde Marie-Belle. Aujourd'hui, je vous présente une première capsule sur les hypersensibles et l'amour. Donc, ça avait été plusieurs à le demander dans un sondage qu'on a fait sur Facebook. C'est sûr qu'il y en a beaucoup à dire sur ce sujet. Puis, j'ai décidé aujourd'hui de commencer sur le sujet de « Avez-vous peur de l'intimité? » Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Parce que vers la fin, je vais faire avec vous un questionnaire de 15 questions où vous allez pouvoir, évaluer votre niveau de peur de l'intimité puis quelles raisons qui sont associées à ça aussi. Donc, en faisant mes lectures, tout d'abord, je vais vous dire que ce que je vous présente aujourd'hui est majoritairement tiré de ce livre-là ici, que je vais vous mettre en référence dans la barre d'infos. Donc, il y a une petite citation qui m'a inspirée, une citation du Dalai Lama qui dit « Tenez compte du fait que le grand amour et les grandes réussites impliquent de grands risques. » Donc, oui, l'intimité implique aussi un risque. Quand je vous parle d'intimité aujourd'hui, c'est vraiment l'intimité du lien. Donc, je me suis intéressée aussi à savoir comment le Larousse décrivait l'intimité. Donc, intimité, ce qui est intime, secret, relations étroites, amitié, vie privée. Donc, si on développe un petit peu plus au niveau de l'intimité, je dirais que c'est par rapport aux lectures que j'ai fait aussi dans le livre, c'est vraiment une ouverture. Donc, c'est une position où on est authentique et vulnérable, où on va se révéler sans censure à l'autre personne avec qui on est en lien. Donc, l'intimité implique une connexion entre deux personnes, un lien de confiance, puis vraiment un sentiment de sécurité, où on va sentir qu'on peut justement être authentique et vulnérable. Donc justement, quels sont les risques quand on se met dans une position de vulnérabilité ou dans l'intimité? Bien, on parle de risques d'abandon, de rejet, de perte ou de trahison. Attention, on ne veut pas être dans le négatif ou dans la peur dans cette vidéo-là. C'est vraiment plus une prise de conscience pour, se questionner sur soi, s'observer, puis voir qu'est-ce qui est possible d'être travaillé par rapport à tout ça. Parce que oui, dans le fond, être en amour, puis être en relation amoureuse avec quelqu'un implique l'intimité et l'attachement. Donc, c'est vraiment un élément clé pour être heureux, dans le fond, en amour, puis avoir des relations durables. Donc, j'aimerais ça poursuivre avec 8 raisons qui expliquent, dans le fond, la peur de l'intimité. Donc, c'est Ellen Aron, dans son livre, qui présente ces 8 raisons-là. Donc, je trouvais ça intéressant parce que, comme je vous dis, c'est vraiment des éléments que je trouve qu'on peut observer dans notre vie de tous les jours, puis dans nos relations, de dire, OK, moi, où est-ce que je me situe par rapport à ça? Donc, première peur, la peur de montrer sa vulnérabilité. Donc, ce qui implique, dans le fond, qu'on a la peur du rejet. C'est sûr que quand on se met dans une position de vulnérabilité, on peut se dire que la personne va comme profiter de cet état-là pour, que ça revienne contre nous, mais comme je vous dis, ne nous mettons pas dans la peur. Je vous présente ces peurs-là aujourd'hui, puis voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça après. Le deuxième point, la peur des excès de colère. Les hypersensibles ont énormément, une grande peur du conflit, de par l'énergie qui est dégagée aussi. Puis on a souvent l'espèce de peur de l'abandon. Donc c'est sûr que dans les conflits, on va souvent associer ça à un rejet ou un abandon aussi. Donc troisième peur, je viens de la mentionner, j'ai sauté un point, peur de l'abandon. Donc chez les hypersensibles, c'est vraiment quelque chose qui influence énormément le fait qu'on va parfois pendant un certain temps, plusieurs années, des fois avoir de la difficulté à s'attacher puis à développer de l'intimité avec quelqu'un.
La quatrième, c'est la peur de la perte de contrôle. Dans le fond, le lâcher prise. Quand on est dans l'intimité totale, il y a un abandon qui est nécessaire pour être dans la vulnérabilité, dans le fond, de ne pas être sur la défensive. Cinquième, celle-là aussi, elle m'a surprise moi-même, la peur de nos impulsions destructrices. Donc, oui, même les hypersensibles peuvent avoir des impulsions violentes, dans le fond. Comment qu'elle explique ça? C'est que on peut, pendant un certain temps ou trop longtemps, ne pas respecter nos limites, accumuler des frustrations ou une surstimulation au niveau énergétique aussi. Donc, il y a des hypersensibles qui vont vraiment, c'est ça, malheureusement, avoir des excès de... des réactions qui peuvent nous faire peur, parce que c'est sûr qu'on ressent beaucoup, donc on dit, mon Dieu, ça vient d'où cette violence-là? Fait que c'est ça, c'est vraiment juste... Souvent, c'est un non-respect pendant trop longtemps de nos limites à nous-mêmes. Le sixième point, c'est la peur d'être étouffé. Les hypersensibles sont très empathiques, se mettent souvent à la place de l'autre. Donc, le mauvais côté de ça, c'est qu'on est tellement dévoué, dédié à l'autre personne, ce qui n'est pas bon, mais c'est un côté excessif de cette qualité-là. Donc, c'est comme si on sentait qu'on se faisait, c'est ça, étouffer par l'autre personne dans le sens qu'on devient l'autre personne. On s'oublie soi-même. Donc, inconsciemment, ça peut être une peur qui est là aussi. La septième, la peur de l'engagement. Ce qu'elle explique là-dedans, c'est que souvent, les hypersensibles, on analyse énormément tout, dans le fond. Qu'est-ce qui peut être impliqué dans la décision de s'engager avec la personne. Puis souvent, on va se sentir aussi responsable du bien-être de l'autre, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc, c'est comme si on avait encore plus de crainte de s'engager parce que notre décision va impliquer l'autre aussi. Puis on se dit, mais s'il arrive quelque chose, je suis responsable aussi de ce que je fais à l'autre. Donc, c'est cette espèce de cercle-là qui fait qu'on peut avoir la peur de s'engager aussi. Le huitième et dernier point, donc dans les peurs, c'est la peur d'être irrité, facilement irrité par des petits détails. Donc, comment qu'elle explique ça? C'est que, les hypersensibles, on est hypersensibles au niveau des odeurs, de l'énergie, des bruits. Donc, je vous donne des exemples. Il y a plusieurs traits de caractère ou habitudes ou façons d'être de la personne qu'on côtoie qui peuvent nous énerver. Donc, que ce soit au niveau, odeur corporelle, des bruits de mastication. Il y a des gens qui sont vraiment très sensibles à ça. La façon de respirer de la personne. Les ronflements. Différents tics que la personne peut avoir aussi. Même des habitudes au niveau de comment elle va laisser sa trace dans l'espace ou dans une pièce. Je vous dirais que, un peu tout le monde peut vivre ça aussi, mais c'est quelque chose qui nous affecte beaucoup aussi, de se dire, mon Dieu, est-ce que je suis capable d'être en relation parce que toutes ces petites choses-là vont me déranger? Mais selon moi, il y a des façons de l'exprimer quand même dès le début, avec beaucoup de respect et avec beaucoup d'amour à la personne avec qui on veut développer une relation. Puis si cette personne-là est vraiment prête à investir, c'est pas des choses qui vont l'affecter. Il y a toujours moyen de faire des ententes puis des compromis. Donc, je pense que c'est très important aussi quand on parle de limites, de mettre nos limites, d'exprimer peut-être ces petits irritants-là dès le début, puis de voir qu'est-ce qui est possible d'être fait. On est rendu au test! Donc, le fameux test, avez-vous peur de l'intimité? Je vais quand même vous mettre ces questions-là en résumé aussi dans la barre d'infos. Puis, pour interpréter les résultats aussi, ça va être dans la barre d'infos. Malheureusement, ce test-là n'est pas disponible sur le site de Helen Aron que je vous mets souvent en référence. J'ai vraiment tiré ce test-là directement du livre, puis je me suis permis une traduction libre de l'anglais au français. Première question. Je suis inconfortable de discuter des parties de mon passé qui m'ont déjà fait vivre de la honte. Deuxième question. Il y a certaines choses de ma vie qui provoqueraient peut-être un certain dégoût chez l'autre.
si il ou elle en prenait connaissance. Troisième, j'ai peur que le fait de révéler certaines parties de ma vie à mon ou ma partenaire provoque de la colère chez lui ou chez elle. Quatrième, j'aime mieux ne pas aimer une personne et ainsi éviter de vivre la peur ou la crainte de perdre cette personne. Cinquième, j'ai tendance à m'attendre à ce que mon partenaire finisse d'une manière ou d'une autre par me trahir ou me tromper. Sixième, j'ai peur d'être vraie et spontanée. Septième question, parfois quand je suis très proche de quelqu'un, ce que je ressens pour cette personne est tellement fort, même si c'est une émotion positive, que j'aimerais que ça arrête. Donc, l'intensité de l'émotion est tellement grande que même ça, pour vous, c'est difficile à vivre. Huitième, j'ai peur de faire quelque chose qui pourrait blesser l'autre. Neuvième, j'ai évité certaines relations intimes par peur que l'autre personne me contrôle. Question 10, une partie de moi a peur de m'engager dans une relation à long terme. Question 11. Je ne suis pas à l'aise quand quelqu'un dépend de moi pour du soutien émotif. 12. Je doute de pouvoir être très intime avec quelqu'un car je suis facilement dérangée par de petits détails dans la façon d'être de l'autre. 13. C'est difficile pour moi d'exprimer mon amour à l'autre personne. 14. J'ai fui certaines possibilités de relations intimes qui se présentaient à moi. Et 15, j'ai refoulé mes sentiments dans mes relations antérieures. Donc, c'était le test. Je vous invite, comme je l'ai dit, à faire le test. C'est ça, vrai ou faux, dans le fond, si vous vous reconnaissez dans l'énoncé. Puis, je vais vous mettre en barre d'infos l'analyse que vous pouvez faire du test, dans le fond. C'est sûr que c'est un première approche que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui sur le fameux grand sujet, les hypersensibles et l'amour. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas coach. Je partage avec vous, dans le fond, mes lectures, puis c'est mes interprétations. C'est sûr que, comme je vous dis, c'est un sujet qui est vaste, mais je pense que la peur de l'abandon, qui est chez les hypersensibles, puis la peur de l'intimité que je traitais aujourd'hui. C'est ça. Spontanément, j'avais envie de commencer par là pour qu'on puisse vraiment s'observer puis se questionner sur notre... notre ouverture. Jusqu'à quel point on est ouverte à la relation, dans le fond. Puis je pense que ça part de là aussi. Donc, c'est juste une première capsule aujourd'hui. Je vous invite à peut-être, s'il y en a qui ont envie de partager les résultats, pourquoi pas, dans les commentaires, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions aussi pour d'autres sujets plus précis sur ce grand et vaste sujet, les hypersensibles et l'amour, je vous invite à les partager dans les commentaires. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. Prenez soin de vous. Bye!